Après 3 années de démolition, construction, nous arrivons au bout de ce travail et nous avons aménagé des salles d'exposition et nous avons exécuté nous-mêmes nos travaux et de restauration, d'aménagement et il a fallu tout enlever, beaucoup travailler. Donc il a fallu tout reconstruire, hormis les poutraisons qui sont restées, les très anciennes poutraisons. Il y aura donc dans cette maison 4 espaces, 2 pour des expositions et 2 autres salles, dont un atelier, une salle à vivre pour une résidence d'artistes. Et la surface est à peu près de 450 mètres carrés. Alors, amateurs d'art, nous aimons les artistes et nous avons créé cette galerie d'art en hommage au monde artistique dans son ensemble. Voilà, donc nous sommes ici à la galerie d'art de Villefranche, du Périgord. Nous avons créé ce lieu avec mon épouse. Nous allons développer dans cette galerie d'art 3 volets. Le premier volet étant bien sûr l'exposition de la peinture, de la sculpture, la céramique également. C'est un grand objectif. Nous sommes aidés par Catherine qui est notre conseillère artistique. Donc ce premier volet consiste à exposer des œuvres de peintres et de sculpteurs déjà bien connus, bien renommés, pour apporter cette culture de l'art dans la ruralité. Voilà, donc ce volet-là consiste évidemment à exposer des œuvres, mais à les vendre, parce que nous avons besoin d'argent pour tourner, et cet argent va être utilisé en partie pour le deuxième et le troisième volet, qui consiste, en tout cas pour le deuxième, à la partie pédagogique au niveau toujours de l'art, en invitant des peintres ou des sculpteurs à exécuter leurs œuvres ici et inviter la population, soit disons les gens du village et d'ailleurs, mais aussi les enfants des écoles, etc., à voir l'exécution de ces œuvres. Ça, c'est le côté pédagogique. Et le troisième volet consiste à inviter des artistes, puisque nous avons ici un atelier et de quoi loger un artiste, donc ça va faire une résidence d'artiste. Nous allons donc inviter une ou un artiste à exécuter ses œuvres dans l'atelier et une fois qu'il a terminé ses œuvres, il va les exposer ici dans les différentes salles. Bien que ce ne soit pas la saison, nous 2 artistes confirmés qui exposent le 17 novembre jusqu'au 21 décembre vont venir avec nous. Il s'agit de Jane Barwick qui a réalisé des œuvres figuratives très colorées, vraiment d'une très belle qualité, et de Arcal qui exposera ses belles œuvres de grande valeur. Moi, je crois que le châtelain de Mercurès devrait acheter ce tableau. Il devrait acheter ça. Oui, mais c'est vrai. Je le connais, un peu, parce que ça... Une chose, c'est de faire contourner les rochers avec de la chaux pareille. Quel que soit. Non, mais c'est vrai. Tu vois, t'as des...